Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure où vous rencontrez vidéo ça. Si vous rencontrez vidéo en matin, bonjour. Si vous rencontrez l'avenir en après-midi, bonsoir. Moi, bien content ensemble avec vous. Je dis à vous nous présenter l'autre vidéo encore. Ce nom Païsa qui c'est Bibou Vert. Vous pouvez toujours porter pour vous. Toujours porter en pile connaissance en la Bible pour vous. Ça, moi-même, je ne pas connaître. Dieu fait grâce et permette. Et nous rencontrer, nous faire découvrir et nous partager ensemble avec vous. Et cette façon d'appeler vous capable d'aider nous à grandir, à avancer avec Païsa, c'est le ou abonner, c'est le ou quitter un like, c'est le ou partager avec nos amis. Ça a aidé nous plus avancer et ça a nous plus encouragement pour nous capables de continuer le travail, pour nous capables de continuer à porter plus belles vidéos pour vous pendant Païsa qui s'est débrouillé. Je dis en la vidéo ça, de qui ça nous vient parler. Nous venons parler de un personnage de la Bible, en pile monde par exemple parler de lui. Il était commettre une mauvaise action, mais depuis les définis poser action, qui c'est Juda qui était trahi Jésus, depuis les personnes monde par exemple parler de Juda. Ou après, dans pile monde qui va être petit côté, non, dans la Bible, dans les monde qui dit que Samuel, David, Jonas, etc. Mais il va jamais être petit côté, non. Juda, depuis le Juda te fin trahi Jésus. Non, ça a été une de vie, une malédiction. Et dans la vidéo, ça nous parle de vous, nous parle de qui le Saint Juda te fait, qui bien Juda te fait, qui mon Juda te sauvé, et malgré lui-même, Juda ça a été vendu Jésus, mais qui ça a été fait qui bien, et au fond, déjà qui ça a été fait qui mal parce qu'il était trahi Jésus. Personnel là qui c'est Juda. Juda. Qui laisse Juda t'aille? Juda prend naissance en 1er siècle avant Jésus-Christ en Judée. Juda fait en Judée en 1er siècle avant Jésus-Christ. Juda c'était petit Jacob. Juda c'était petit Jacob. Maman Juda t'aille Léa. Maman Juda t'aille Léa. Léa t'aille Juda pour te non ça, c'est parce qu'il était reconnaissant envers mon Dieu. Il dit l'elfe Juda, le petit la Juda, qui veut dire c'est une récompense. Il remercie mon Dieu parce que mon Dieu t'est béni en Raïli, le petit la Juda. Même Juda, ça, c'est Fabien, Juda, c'est petit Jacob. Juda fait partie 12 tribus Jacob. Juda, ça, c'est lui-même, c'est frère Joseph. Et bien, c'est même Juda, ça, qui était dans le même complot mis là tout pour yo te vendre Joseph. Côté les frères Joseph, yo t'a fait complot sous lui parce que papa le tirait mais en pile, il te fait un habillement, il mettait sous lui qui te gagnait 12 couleurs. Ça veut dire chaque couleur yo représentait une attribut yo. Et même messieurs ça yo fait complot pour yo vendre, pour yo tuer Joseph. Mais pendant qu'il a fait complot pour yo tuer Joseph, Joseph Juda même dit, au lieu de nous tuer lui, on nous vend ni plutôt. Depuis longtemps ça, depuis là, Juda c'était un monde qui te remet l'argent en pile. Oui, Juda c'était un monde qui te remet l'argent en pile. Il dit non, nous pas tuer Joseph, non, n'a vend ni plutôt. N'a veillé les marchands qui ont passé, n'a vend ni. Voilà que yo fait un complot pour yo jeter Joseph nan pi. Yo jeter Joseph nan yon pi. Mais puis il n'y a pas de gain de l'eau. À sorte que pour peut-être pour sauver la vie de Joseph, Ruben qui c'est frère Joseph, c'est-à-dire Ruben qui est même maman avec Joseph, il était venu retirer Joseph dans le pays. Il dit comme ça, on jette le pays plutôt au lieu pour nous tuer. On a jeté Joseph dans le pays, mais. En connaissance, Ruben qui dans l'esprit, li, l'a retourné pour lui retirer Joseph dans la fille. Et dans même pis ça a jeté Joseph là, eh bien, Juda ça qui te trahi Jésus, mais Juda te fait un bien pour Joseph. Puis ça, à côté de jeté Joseph là, Juda te passé deux jours, deux nuits à veiller Pia pour être pour ne pas tuer Joseph dans la. Parce que c'était des noms messieurs qui étaient très arrogants, ils ont même décision, c'est pour tuer Joseph. Qui l'a des messieurs? C'était Siméon avec Gad.
Siméon avec Gad, tout objectif, c'est tuer Joseph. C'est retirer la vie de Joseph parce que Joseph a vu une priorité sur lui, Joseph a dirigé lui. Là où elle paraît, je dis, mais faisait rêve là à venir. Et bien, messieurs, ça y est, fait complot pour lui, tuer Joseph. Bien, Juda lui-même, malgré que j'étais Joseph dans Pia, Juda a passé deux jours, deux nuits à surveiller Pia pour Siméon avec Gad patrouiller Joseph dans Pia. Messieurs Sarah était très brigand. Messieurs Sarah, c'était des messieurs qui étaient très arrogants. Décision, c'est pour tuer Joseph. Eh bien, Juda a passé tant ça à veiller Pia. Mais Zabilon, tes grands frères, tes relais Zabilon, Zabilon lui-même t'est passé tout le temps à veiller Pia pour jusqu'à ce qu'il retire Joseph dans Pia. Parce qu'il n'a pas voulu tuer Joseph. Malgré ça, complot a été fait, hein? Complot a fait, c'est pour la vie Joseph fini. Et quittez-moi tout frère, même si vous avez un complot qui fait sous la vie, mais depuis bon Dieu, il y a un plan sous la vie, on n'y est pas détourné. Ouais, parmi tous les frères Joseph, ils ont tout, oui. Ils ont fait un complot sur eux. Ils ont 11 marées, un complot pour détruire la vie Joseph. Mais puisque Joseph a un plan bon Dieu sous la ville, la vie Joseph n'est pas capable de détruire. Gien qui dit en tuer, gien qui dit en vendre, gien qui te a surveiller. Juda ça me dit où il passait deux jours deux nuits à surveiller Joseph dans Pia. Peut-être pour Siméon avec garde pas tuer. Zabilon passait tout le temps lui-même à surveiller Pia pour jusqu'à ce que yo retire Joseph dans Pia, yo vendre. Zabilon t'a surveiller. En dans toute ma famille, toutes messieurs ça yo, te gien où ils étaient relé dans c'est Dan qui t'est passé là dans Joseph là dans 100 cabrit. Mais si on te fait complot pour tuer Joseph. Je viens prendre une décision, il a passé, il a tué un cabrit, il prend là Joseph là, il a passé 100 cabrit là dans là Joseph là. Il suffit que il a passé 100 cabrit là dans là Joseph là. Là il arrive bon côté papa, il a montré papa bête sauvage touye Joseph. Eh bien, c'est Dan lui-même qui t'est passé radla dans sang. Et qui laisse là d'ailleurs qui t'est porté radla bay papa même. Mais moun qui t'est porté radla bay papa qui t'est rivé devant Joseph, devant Jacob, il t'est présenté lui dit papa, nous joignent mais c'est rad Joseph nous joignent. Mais comment bête sauvage dévorer Joseph? C'était Neftali. Neftali, yon parmi frère Joseph qui te pote rad la baye papa. Qui te m'dou? Le yon présente rad la baye papa, comme ça, désolation, pote papa aller pour Jacob, ça vraiment vrai, la vie Joseph fini, parce que li yon rad la, li yon comment bête sauvage dévorer rad la, avec tout sang là-dedans, de ça, pas bien, yon tap sive yon mouton, mais yon pas tué yon mouton, c'est yon cabrit. Yon te touye, yon te passe radla dans 100 cabrit. Pour yon te fini avec la vie Joseph. Joseph, hein? Joseph te gen plan bon Dieu sous la ville. Jacob, les Jacob dérivé dans l'âge, il te commencé à approcher vers grand moun ni, il senti l'approcher vers la mort. Jacob a fait une réunion qui pral béni tout petit lio. Il pral bay petit lio bénédiction. Mais parmi tout petit Jacob pral bay bénédiction yo. D'après la loi, moun ki ta doué recevoir premier bénédiction, c'était Ruben. C'était Ruben qui ta doué recevoir premier bénédiction parce que c'est te gen trois messieurs qui ta doué représenter pour recevoir bénédiction youn après l'autre. C'est premier c'était Ruben, deuxième nan c'était Siméon, troisième nan c'était Lévi qui t'a doué recevoir bénédiction. Pourtant, les Jacob bral béni petit yo, moun qui t'est représenté comme chef pour recevoir bénédiction, c'est Juda. C'est Juda qui est représenté comme chef. Eh bien, c'est là expression roi lion de Juda sorti.
C'est-à-dire Juda, c'est lui-même qui représentait comme chef famille 12 tribus Jacob. C'est là où il est ressorti avec une expression qui veut dire lion de Juda. Il y a un artiste qui s'entend chanter, dit lion de Juda, attaquez. Ça veut dire Juda représentait chef. C'est lui-même qui prend la chef. Au lieu de Kéribé, ou bien Siméon, ou bien Lévi, qui a représenté comme pigre, c'est Juda qui représentait comme pigre. C'est la expression Juda, le lion de Juda qui est sorti. Eh bien, Juda, Juda a une famille, Juda a un foyer, Juda a une madame, Juda a un petit. Même si Juda a trahi Jésus, il a vendu Jésus, mais Juda. Il y a un pile de bagaille qui était fait, qui était fait avant ça, qui bien. Il était sauvé la vie Joseph, il était prend soin de famille, il était prend soin de madame ni avec un petit lit. Juda était madame. Madame Juda était relé Hernan. Juda était gagné trois petits garçons. Juda était gagné trois petits garçons. Madame Juda était relé Hernan. Juda te gagné trois petits garçons. Premier petit garçon Juda te relé Shela, Shela ou bien Sela. Deuxième nan te relé Peret ou troisième nan te relé Zela. Zela, c'est trois petits garçons ça yo Juda te gagné. Nous pas comme s'il pas de petite fille parce que dans sous temps la loi yo pas vraiment représenter petite fille yo. Ou après nan même yo di nan 12 tribus de Jacob, si yo t'a présenté, yo t'a présenté plusieurs, mais d'après ça la Bible dit nous, yo t'a présenté 13 tribus de Jacob parce que Jacob te gen yo présenté une petite fille. Jacob te gen qui te relé Dina. Et enfin, Juda te mouri à 119 années. C'est tout ça nous pote pour en dans vidéo ça sous la vie Juda. Comment Juda te vivre, qui action Juda te posé qui bon, qui action Juda te posé qui mal, ou qu'on aime déjà, qui façon Juda ta vivre, qui laisse quitter frère Juda, qui complot même messie ça yo te fait pour yo te vendre Joseph. Juda qui te remet l'argent te dit non, nous pas tuer en nous vendre ni pito. Si vidéo ça, si vous intéressé avec vidéo ça, quittez un like, partagez, commentez, abonnez pour nous capables toujours porter plus belle vidéo pour vous sous channel ça qui c'est Bibouvé. Le partagez, le commentez, le partagez avec les amis ou dans tout groupe yo, tout le monde a bien gagné plus connaissance de la Bible. Souvent fois, yo parle nous, yo chita représente nous, yo étude biblique tout court. Ou bien on y présente nous yon message, nous dit amen, nous fini. Mais en tant que chrétien, bien pile bagay nous ta doué qu'on est en dans Bible. Partagez, commentez, like, abonnez. N'a rencontré avec vous dans l'autre vidéo. Que bon Dieu bénisse. Shalom, shalom.